Un beau bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Oui, nous nous retrouvons pour les différents exercices des bonshommes allumettes. Alors dans cette capsule, ce sera pour se détacher d'une situation. Petite parenthèse, vous pouvez toujours aller visionner l'introduction à ce sujet. Alors, l'exercice consiste à vous détacher d'une situation. Par exemple, pour la signature d'un contrat, vous voulez vendre votre maison, vendre votre voiture, ou à l'inverse, acquérir une voiture, acquérir une maison, un appartement, ou toute autre activité. Il s'agit alors, dans un premier temps, de vous dessiner et à la place de l'autre personne, vous faites simplement un rectangle en inscrivant le titre de la situation à l'intérieur du rectangle. Par exemple, je vends ma maison et vous inscrivez l'adresse de votre maison. Ensuite, vous faites les 7 lignes d'attachement conscient et inconscient à partir de vos centres d'énergie jusqu'à l'intérieur du rectangle. N'oubliez pas de dessiner le cercle de lumière ainsi que les rayons lumineux autour du rectangle, comme lorsque il s'agit c'est d'une personne. Donc, en résumé, un cercle de lumière plus les rayons lumineux autour de vous, un cercle de lumière plus les rayons lumineux autour du rectangle contenant l'identification de la situation, et un cercle de lumière plus les rayons lumineux autour des deux éléments, c'est-à-dire la personne, c'est vous, et le rectangle représentant la situation. Alors voici quelques exemples de situations que vous pouvez mettre dans le rectangle de droite. Par exemple, un contrat de divorce, un litige avec votre propriétaire, un litige avec votre voisin, vos difficultés avec votre emploi actuel, etc. Donc, en règle générale, vous devez simplement nommer la situation qui vous préoccupe ou que vous voulez harmoniser à l'intérieur du rectangle. Bien, voici l'exercice en image avec la situation. Première étape, alors pour l'exercice, je me mets en situation. Je commence toujours par me dessiner en premier à gauche de la feuille. Vous dessinez la tête, les yeux, le nez, le sourire, qui est très important, le sourire. Ne pas dessiner une bouche fermée. Puis, je dessine le corps, les bras et les jambes, comme sur le dessin. Après cela, j'écris mon prénom Fabie et mon nom de famille Ange en bas. Deuxième étape, je dessine un rectangle à droite et j'écris le titre de la situation à l'intérieur du rectangle. Ici, j'ai pris comme exemple, je vends ma maison et j'inscris l'adresse. Troisième étape, je dessine un cercle de lumière autour de moi. Le cercle doit être bien fermé. Et pour ne pas que mon subconscient enregistre que je suis enfermée dans quelque chose, je dessine des rayons lumineux tout autour pour que mon subconscient enregistre que je suis dans un cercle de lumière et non pas enfermée dans quelque chose. C'est important, donc prenez le temps de faire les rayons. En même temps, je dis « je veux ce qui est le mieux pour moi, Fabie-Ange », conscient et inconscient. Alors, encore une fois, c'est quoi ce qui est le mieux pour moi? Eh bien, je ne le sais pas, mais je veux ce qui est le mieux pour moi. Je veux ce qui est le juste prix pour ma maison. Quatrième étape, je dessine un cercle de lumière bien fermé autour du rectangle avec des rayons lumineux. Cinquième étape, je dessine un cercle de lumière bien fermé autour de nous deux,
Fabiange et le rectangle avec la situation et je dessine des rayons lumineux en disant « je veux ce qui est le mieux pour moi, le prix juste ». Sixième étape, je trace les lignes d'attachement conscientes et inconscientes en partant de moi, donc Fabiange, pour rejoindre le rectangle, comme sur le dessin. Premier centre d'énergie est le chakra racine qui se trouve au niveau du coccyx. Je trace les lignes d'attachement conscientes et inconscientes par rapport à chacun de mes centres d'énergie qu'on appelle chakra, et on en a 7. Je peux aussi le faire avec les crayons de couleur des 7 chakras, c'est-à-dire le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le mauve. Mais cela reste encore optionnel, n'est-ce pas? Le deuxième centre d'énergie, c'est le centre sacré qui est situé entre le nombril et le pubis. Donc je commence par moi pour aller dans le rectangle comme sur le dessin. Le troisième centre d'énergie est le plexus solaire qui se situe en dessous du plexus. Donc je relis les lignes d'attachement conscientes et inconscientes et je commence par moi pour aller dans le cercle, dans le rectangle, pardon. Le quatrième, c'est le centre d'énergie du cœur. Et oui, ben, au niveau du cœur, n'est-ce pas, qui est relié à l'amour. Et je pars de moi pour aller rejoindre le rectangle. Le cinquième centre d'énergie est la gorge, au niveau de la gorge, n'est-ce pas? Et je pars de moi pour aller rejoindre le rectangle. Le sixième centre d'énergie est le troisième œil qui se trouve entre les deux yeux et qui est relié au plan mental. Donc je relis les lignes d'attachement conscientes et inconscientes. Le septième centre d'énergie est le chakra couronne qui se trouve au-dessus de la tête. La septième étape, eh bien, je découpe les lignes d'attachement conscientes et inconscientes. Au milieu, entre les deux, donc Fabiange et la situation, donc le rectangle, comme montré sur le dessin. Et je dis, je veux ce qui est le mieux pour moi, Fabiange, le juste prix, et je remercie, merci, merci. Que faire avec cette feuille? Eh bien, vous la jetez dans la corbeille ou la poubelle. L'important, c'est d'avoir fait l'exercice. Après, eh bien, vous faites comme vous voulez, cela n'a pas d'importance. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire ou via mon adresse mail. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite de tout cœur tout le meilleur pour vous. À très vite.